Les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas commencé avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciennes parutions de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast « Je vous parle d'un temps » produit par votre journal. On le sait, le département est un terrain de jeu idéal pour les cinéastes et les réalisateurs à la recherche de jolis sites, de lumières pures et de décors variés alliant zones de montagne, horizons balnéaires et sites historiques bien conservés. Plusieurs ouvrages ont évoqué les facéties amoureuses entre le 7e art et la Catalogne Nord, dont celui de Joël Grandot, 100 ans de cinéma en Pyrénées-Orientales, histoire et secrets de tournage. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un focus sur la bascule entre les années 60 et 70. Un gros plan aussi sur un film de série Z qui a défrayé la chronique de longues semaines durant dans les pages de l'Indépendant. Penchons-nous sur Désirella, ou plutôt sur Les Chattes. Car, et ça commence bien, cet opus a changé de titre entre le premier tour de manivelle et le dernier ronronnement du projecteur. Ce film ne vous dit rien ? Son réalisateur Jean-Claude Dague non plus ? Pas vraiment étonnant. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait couler de l'encre sur les rotatives, et surtout le champagne entre scènes dénudées de tournage et discothèques à la mode. C'est le 6 septembre 1969 que l'on entend pour la première fois parler de ce film. Extrait de l'Indépendant. À Banyuls, on est au préparatif et Jean-Claude Dague espère bien commencer en octobre, comme prévu, le tournage de Désirella. Quelques préalables sont, semble-t-il, en train d'être levés progressivement. Jean-Claude Dague a commencé hier et il continue aujourd'hui, à l'hôtel Le Catalan, la présélection de quelques jeunes filles qui tiendront des rôles importants dans Désirella. Élément intéressant, la sélection aura lieu, si l'on peut dire, au grand jour. Tout le monde pourra y assister. Qui plus est, elle se déroulera dans une ambiance détendue dans le cadre de l'hôtel dont l'entrée sera libre. On pourra entendre chanter également à cette occasion Elisabeth Reed, une jeune artiste qui interprétera la partie musicale du générique du film. Et de conclure, bien sûr, il y aura quelques jeunes filles présélectionnées vendredi et samedi, auxquelles Jean-Claude Dague fera tourner quelques bouts d'essai. Je sais pas vous, mais là, on sent déjà comme un soupçon de racolage un peu tiré par les cheveux. Deux jours plus tard, le 8 septembre, l'Indépendant pose la question qui n'en est pas une. Jean-Claude Dague a-t-il trouvé au Sonnies sa Désirella ? En glisse, vous l'aurez remarqué, le nom de la boîte de nuit, où l'équipe, et certainement le journaliste, ont leurs entrées. C'est au Sonnies, l'élégant nightclub de Port-Vendres, que Jean-Claude Dague, réalisateur, metteur en scène, devrait choisir, parmi quelques beautés, une jeune fille pour son film Désirella. Le journal poursuit. Monsieur Dague est difficile, il veut faire d'une inconnue une vedette, mais exige d'elle une personnalité qui, sous son contrôle, doit se révéler et s'épanouir. Ouais. L'article continue. Jean-Claude Dague a défini son film et les rôles qui incomberont au principal partenaire de Robert Hossein et Bruno Kremer. Attention, spoiler, aucun d'eux ne tournera dans le film. Le metteur en scène a été très intéressé par Josette, ici paraît le nom de famille de la dame que nous tairons, une jeune Perpignanaise de 17 ans. Et Jean-Claude Dague d'insister, à Paris je trouverai vite des actrices et des starlettes, mais j'espère découvrir ici une payse. L'article se termine en remerciant nommément le sympathique propriétaire du Sonnies et le patron du Catalan. Il se chuchote aussi que dans le cadre rustique du lieu, qui est devenu quartier général de la production, rappelons-le, soit le décor de quelques scènes du film. On se régale par avance. Quelques jours plus tard, le 21 septembre, une info tombe, il y aura une séquence saint-paulaise dans le film. Jean-Claude Dague, qui est également un producteur, aurait l'intention d'inclure, dans ce que l'on n'a pas peur d'appeler ici une fresque sans quai or, des scènes tournées à Saint-Paul-de-Fenouillet, plus précisément dans les gorges de Galamus et son célèbre ermitage. Une idée qui a permis à l'équipe de rencontrer autour d'un bon repas, la photo de l'article l'atteste, le maire de la commune, son adjoint, le secrétaire général, le président du syndicat d'initiative, le président des commerçants, celui du comité des fêtes et même le président de la CAF coopérative. Que du beau monde! On ne sait pas qui a réglé l'addition, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que les édiles de la commune espèrent que ce film mette en valeur les beautés du lieu
surtout si, comme tout le monde le pense, l'œuvre sera appelée à connaître une carrière aussi brillante qu'internationale. Et de nouveau, on indique au fil du sujet que Jean-Claude Dac est toujours à la recherche d'une jeune interprète féminine. On dévoile aussi, et il était temps, une première approche du scénario. Attention, c'est velu. Ce serait l'histoire d'une jeune fille belle et désirable, une fille qui n'est qu'amour et objet de convoitise. Une jeune femme possessive aux sentiments équivoques. Je pense qu'arrivé à ce stade, il n'y a plus trop d'équivoques, justement. Désirilla se profile bien comme étant un opus d'un genre très à la mode à l'époque, l'érotisme. Il faut regarder les choses en face. On est en train de monter un film érotique. On espère surtout qu'il sera soft. Si à 7h, Jean-Claude Dag n'a toujours pas sa starlette locale, on peut imaginer qu'elles ont fui en prenant connaissance du scénario. La musique est dans la boîte. C'est de nouveau au Sonis que la nouvelle est donnée. 30 septembre. Nouvel appel dans les colonnes de l'Indépendant. Jean-Claude Dag recherche toujours son interprète pour tenir le rôle de l'héroïne. Oui, vous savez, la jeune fille tout amour, aux sentiments équivoques. Le compte-rendu d'un casting dans un café de Perpignan indique qu'une quinzaine de jeunes filles sont venues à l'audition, parfois accompagnées de leur maman. Jean-Claude Dac les a prévenus. Dire « je t'aime » à votre petit ami dans l'intimité, en le pensant plus ou moins sincèrement, ce n'est pas la même chose que de le dire devant une caméra énorme, un acteur qui, peut-être, ne vous plaira pas. Comme c'est évident. Et de dévoiler un peu plus ses projets artistiques. J'ai l'intention de faire un film à la limite de l'érotisme. Il ne suffit donc pas d'avoir un joli visage et le reste, et une vague envie de faire du cinéma. Comprenne qui pourra. Ah oui, sur la quinzaine de prétendantes venues ce jour-là, 5. Marie, Josette, Rose, Jacqueline, Christine ont été choisies. Choisies, mais pour des rôles secondaires, voire un hypothétique prochain film. Désirella ne sera donc pas perpignanaise. Tout ça pour ça. Et enfin, le 11 novembre 1969, le premier tour de Manivelle, comme on ne dit plus depuis des lustres, est donné à Bagnols-sur-Mer. Vedette principale, Sabina Sun, qui partage l'affiche avec un jeune premier, Jean-Pierre Bouillon. On a enfin le scénario. Une amitié entre deux femmes, une amitié presque particulière, insiste en exergue le journaliste pour ceux qui n'auraient pas saisi. Une amitié donc entre un mannequin et une décoratrice. À mon avis, c'est un peu la version vintage du plombier et du livreur de pizza. Un jeune homme. Un monde s'effondre, un drame social lui succède. On prévoit 4 semaines de tournage, avec de nombreuses scènes se déroulant au Sonis, le cabaret rustique et merveilleux de Port-Vendres. Publicité gratuite, certainement compensée par des soirées arrosées pour les rédacteurs et les photographes de l'époque. Un temps bien révolu aujourd'hui, croyez-moi sur parole. Dag nous a confié, glisse rédacteur, que le maire de Port-Vendres ferait ses débuts à l'écran, dans un rôle de mauvais garçon avec barbe, lui qui est si sympathique. Puis, une fois tout dans la boîte, tout le monde retourne à Paris. Les Sunlight s'éteignent, la folie d'Hollywood sur Canigou s'évapore, le Sonis retrouve ses habitués, le maire ses dossiers. Ce n'est qu'un an plus tard que l'on entend de nouveau parler de Jean-Claude Dag. Fini, Désirella, on a renommé le film Les Chattes. Il doit être présenté à Perpignan au cinéma Le Paris le 13 septembre 1970. Fanfaronnant, comme toujours, Dag assure qu'il vient de finir Le Chanteur Inconnu avec Yvan Rebroff et qu'il vient prendre ici des contacts pour sa prochaine réalisation Carré de Commando. Un film prévu avec, excusez du peu, Charles Bronson et Steve McQueen. Ce film ne verra jamais le jour. Je voudrais aussi engager mon ami Jean Rey, le directeur de l'Hôtel Le Catalan, poursuit le réalisateur. Il a un physique intéressant. Si le film a changé de titre, ce serait à la demande des distributeurs, qui estimaient que Désirella, le terme Désirella, avait vieilli. Le film, de l'avis de son réalisateur, a déjà fait à Paris 30 000 entrées. Et il invite tous ceux qui y ont collaboré de près ou de loin de venir le voir à Perpignan. Ça fera toujours quelques spectateurs de plus. Le jour de la sortie en pays catalan, l'actrice Catherine Wagner, qui fut dans des films comme
les risques du métier, ne nous délivrez pas du mal, comment le désir vient aux filles, ou encore le célébrissime La Grande Culbute, tout un programme, vient tout spécialement à Perpignan. On avait presque oublié qu'elle tenait un petit rôle dans le film aujourd'hui, Enterré au cimetière des nanars, division érotique. Jean-Claude Dague tournera encore quelques films après cet opus catalan. Il est aussi connu pour avoir tenté de sauver en 1971 sa société de production en faillite, en dévalisant sa propre banque, avec sa propre voiture. Il écopera de 8 ans de prison, dont il tirera un livre adapté ensuite au cinéma par lui-même, Le Dénommé. Jean-Claude Dague est décédé en 2017, à l'âge de 80 ans. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant, à retrouver, ici même, chaque semaine.